Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment planifier une réunion Teams avec des invités de l'extérieur de l'organisation. Il est possible d'inviter des personnes de l'extérieur à nos réunions Teams. Ces personnes peuvent participer au clavardage, activer leur microphone et leur caméra, lever la main, et en modifiant les options de la réunion, nous pouvons aussi leur demander de partager des contenus à partir de leur ordinateur. Nous allons maintenant regarder différents scénarios possibles pour vous aider à bien choisir les options de la réunion que vous voulez planifier. Nous commençons dans le calendrier Outlook, qui en ce moment est plus convivial pour planifier ce type de réunion que le calendrier Teams. Vous pouvez cliquer directement sur l'heure et la date prévue pour ouvrir une nouvelle invitation et cliquer le bouton Teams pour créer un lien à la réunion. Tous les invités peuvent cliquer ce même lien pour se joindre. Inscrivez le courriel complet de chaque personne que vous invitez à la réunion, que ce soit une personne de l'organisation ou une personne de l'extérieur. Vous pouvez utiliser des listes d'envoi que vous avez déjà créées dans Outlook pour remplir ce champ, comme vous feriez dans un courriel. Complétez l'invitation en inscrivant le titre et l'heure de fin, puisque toutes les invitations sont une demi-heure par défaut, et ajoutez des notes dans la description pour les participants ou des pièces jointes au besoin. Après avoir envoyé l'invitation, ouvrez le rendez-vous dans le calendrier Teams et cliquez sur « Options de la réunion » qui s'ouvriront dans votre furteur, comme ceci. Pour vous aider à décider quelles options seraient les meilleures pour votre réunion, regardons quatre scénarios possibles. Dans le premier, une ou deux personnes de l'organisation présentent un petit groupe composé de personnes de l'organisation et de personnes externes. On voudrait peut-être que les personnes externes ne puissent pas éviter la salle d'attente pour qu'elles n'arrivent pas avant les présentateurs. Donc, choisir seulement les membres de l'organisation peuvent éviter la salle d'attente. Pour choisir qui peut présenter, je pourrais choisir moi uniquement si je suis le seul présentateur ou des personnes spécifiques si j'ai des collègues qui présentent avec moi en inscrivant leur nom ou en les choisissant de la liste. Le deuxième scénario que nous allons regarder, c'est le même type de rencontre, mais avec un plus grand auditoire. On pourrait encore choisir que seuls les membres de mon organisation puissent éviter la salle d'attente, mais on peut modifier ça à tous en début de réunion pour ne pas avoir à accepter chaque personne externe individuellement, surtout si les personnes sont nombreuses. Alors, si j'ouvre la fenêtre des participants ici et je clique sur ce symbole, ceci va me ramener à mes options de la réunion et je peux choisir tous et enregistrer mon choix. À partir de ce moment, tout le monde qui est dans la salle d'attente va entrer dans la réunion et les autres gens vont entrer automatiquement. Scénario 3, une personne externe fait une présentation mais n'a pas besoin de partager les contenus de son ordinateur. Dans ce cas, il n'y a vraiment rien de différent à faire. Tous les participants peuvent parler et être vus si leur caméra est activée. Dans le scénario 4, une personne de l'externe doit présenter des contenus de son ordinateur. Dans ce cas, s'il s'agit d'une réunion avec des élèves, c'est mieux de garder moi uniquement pour qui peut présenter et je peux désigner l'invité comme présentateur lorsque la réunion a commencé. Dans la prochaine vidéo, nous allons regarder le déroulement d'une réunion Teams et comment mettre en vedette des personnes qui présentent.